ici présent, c'est un ami marocain qui enseigne à l'université de Bordeaux-Montaigne. Omar est chargé à Bordeaux des enseignements dans deux départements, le département des études d'arabe et le département des arts et spectacles. À ce titre, donc, il s'intéresse à tout ce qui touche à la culture maghrébine, tous arts confondus, avec cependant un intérêt particulier pour une spécialité, l'adaptation et la traduction, ce à quoi il a consacré son dernier bouquin, Le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, paru aux éditions universitaires de Bordeaux. Donc, Omar est également directeur d'une revue de théâtre international qui s'appelle Horizon Théâtre. Il est par ailleurs directeur de la collection du monde arabe et du monde musulman, et de la collection également qui édite des pièces de théâtre. C'est la collection Horizon Création. Il a pour particularité majeure, et c'est là l'intérêt, je crois, de la conférence qu'il se propose de nous présenter aujourd'hui autour du thème de la femme dans le théâtre marocain, qui correspond un peu à la thématique générale du festival de cette année, puisque le festival est inscrit sous la thématique générale de paroles de femmes. Donc, il s'intéresse, Omar a pour, j'allais dire, pour atout et qualité majeure d'allier la pratique à la recherche dans tous ses travaux relatifs aux arts et à la culture maghrébine. Donc, sans trop tarder, je lui laisse la parole pour présenter la première conférence qui inaugure ce cycle de rencontres entre nous, conférence-débat, autour de la femme dans le théâtre marocain. Bienvenue à Omar et à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence d'abord, bien sûr, par remercier les organisateurs du festival auquel donc je participe. Je remercie mon ami Slimane Benaïssa. Je remercie tous les organisateurs et je remercie aussi le public, donc les collègues de l'université de Béjaïa, qui nous convie aujourd'hui et on est ici pour communiquer, pour vous parler. Ma communication elle va s'intituler. Alors, on va voir déjà ça marche. Donc, ma communication s'intitule, elle va être autour de la femme dans le théâtre marocain. Donc, comme a dit mon collègue, donc moi je suis enseignant en France, à Bordeaux-Montaigne, mais je suis marocain, donc je m'intéresse beaucoup, entre autres, au théâtre marocain. Et ces dernières années, j'ai remarqué, depuis on va dire une dizaine d'années, en participant à des festivals au théâtre du théâtre au Maroc, hein, que ce soit à Tanger ou surtout au Maroc, on a un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, c'est les festivals universitaires. Hein. On a pas mal, beaucoup de festivals universitaires au Maroc. Et donc j'ai remarqué en fréquentant ces festivals que la présence féminine était très importante et d'année en année, on avait plus de femmes dramaturges ou femmes de théâtre. Et donc c'est un phénomène qui m'a beaucoup intrigué et j'ai essayé donc d'aller un peu plus loin et comprendre et voilà que l'explication, comment on peut expliquer ce phénomène. Je suis donc allé à la rencontre aussi de ces actrices, hein, dans le sens acteur culturel, de la scène théâtrale marocaine. Donc j'ai rencontré des comédiennes, des metteuses en scène, etc., etc. Donc à partir de là, voilà, j'ai esquissé un premier, on va dire, un premier travail, hein, qui n'est pas fini, mais en tout cas dont je vais partager avec vous aujourd'hui quelques fruits, quelques pistes de réflexion. Et j'espère que voilà, à la fin de ma conférence, donc on aura un échange et voilà un retour de l'autre côté. On essaye voilà de voir.
Bon, donc en attendant que, voilà, que la technique soit là, donc on peut commencer, hein, on peut commencer. Donc, bien sûr, le théâtre marocain, bah, le Maroc, pays arabes, pays qui fait du Maghreb, donc il y a beaucoup de points communs entre le Maroc, l'Algérie et tous les pays maghrébins de manière générale. Et donc la femme, quand on parle des arts du spectacle, donc le fait de se produire dans un lieu public, c'est vrai qu'on note pas une présence dans l'histoire marocaine, une présence très remarquée ou une grande présence féminine dans voilà, très bien, merci. Voilà, donc voilà, j'ai intitulé ma communication « La féminisation du théâtre marocain, rêve ou réalité ». Et donc voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, il y a pas mal d'événements qui ont été organisés, hein, d'un point de vue scientifique universitaire autour voilà, de la place de la femme dans les arts du spectacle. Là, c'est donc des rencontres universitaires qui ont eu lieu en 2016 et auxquelles j'ai participé autour de la femme dans les arts du spectacle vivant. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Alors je vous ai vite fait aussi pour vous dire que les recherches aussi, hein, universitaires sur le sujet ne sont pas nombreuses, hein. Il n'y a pas beaucoup de livres, que ce soit en arabe ou en français, qui traitent exclusivement de cette question. Donc voilà, j'ai noté, vous voyez, quelques-uns des rares livres qui sont édités. Vous avez les deux premiers livres, donc « Al-Mar'a fil Masrah » et « Fi Qadaya al-Mar'a » ou « Min Qadaya al-Mar'a fil Masrah ». Donc ce sont deux livres qui ont été édités en 2015, 2012, 2015 par « l'Hay'a al-Arabiya lil Masrah ». Donc il porte sur voilà, le théâtre féminin de manière arabe, de manière générale. Et puis plus particulièrement, en ce qui concerne le Maroc, pareil, on peut noter la même chose, c'est que voilà, les recherches sont très rares et on a pratiquement 2-3 livres qui traitent la question, dont donc, ce livre qui date de 2013, « Le théâtre marocain, expérience féminine », bon, il manque un S, un livre récent de 2016, qui vient de sortir sur Al-Mar'a fil Masrah al-Maghribi Khitabat wa Tajarib, la femme dans le théâtre marocain, expérience théâtrale. Et celui-là, bon, on va en parler aussi, c'est un livre que j'ai découvert moi un peu sur le tard. Vous savez, c'est des fois il y a des éditions un peu confidentielles auxquelles on a du mal à accéder. Donc voilà, sur Thuraya Hassan, donc une pionnière du théâtre marocain, et on va en parler. Donc vous voyez, c'est voilà, il n'y a pas énormément de... Donc ça, on va revenir. Voilà. Donc, quand on parle de la présence au Maroc, dans les lieux publics et en lien avec le spectacle, ce que peut noter l'un des plus donc précoces, c'est dans ce qu'on appelle chez nous, c'est les ahouach. Donc, c'est les traditions des Amazirs, donc, au Maroc. Et ces spectacles de ahouach, c'est des spectacles qui ont lieu dans des lieux publics où la femme était très présente et encore présente. Donc c'est vraiment une exception propre à la culture berbère au Maroc. Et puis voilà, donc voilà, ils sont côte à côte avec les hommes, et ils font leur spectacle. Il n'y avait aucun tabou, donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui était accepté, on va dire, par la société marocaine. Et puis vous voyez, bien sûr, on a aussi ce qu'on appelle, vous connaissez très bien aussi, c'est le spectacle l'halqa. Donc le masrah al-halqa, ou le théâtre de la halqa, comme vous voyez. Et le théâtre de la halqa, bien sûr, les femmes n'étaient pas actrices, c'est pas elles qui animaient le théâtre de la halqa. Par contre, vous remarquerez, les femmes étaient présentes dans le public, hein, étaient bien présentes, mélangées avec les hommes. Donc elles étaient, en tant que spectatrices, étaient bien présentes, mais pas en tant qu'actrices ou animatrices. Voilà une autre image d'une halqa qui est dans un milieu rural au Maroc. Donc vous voyez les femmes au premier plan. Donc alors ça, on va passer vite fait, parce que bon, pour que je sois pas très long, mais normalement je fais toute une introduction sur la présence féminine du théâtre, des femmes dans le théâtre arabe, mais de manière générale. Mais moi je vais aller, bon, on va aller directement au théâtre marocain. Alors pour vous dire un petit peu voilà, une petite idée historique sur le théâtre marocain, quand même, sorte d'introduction. Donc vous avez le théâtre marocain, là, le grand théâtre Cervantes, 1913. Alors, quand on parle d'histoire du théâtre marocain, il y a plusieurs manières de le dater. Quand est-ce que ça a commencé, le théâtre marocain?
Alors, je tiens à déjà, dès le départ, moi, de faire une distinction entre ce que j'appelle les arts du spectacle et le théâtre. Hein, d'accord ? Donc, voilà, parce que je sais, des fois, on me dit, oui, on dit le théâtre, mais il y a une tradition qui existait chez nous, on a le halqa, on a plein de bsat, on a toutes formes. Pour moi, ce sont des formes spectaculaires qui sont ni moins bien ni meilleures que le théâtre, mais au même niveau que le théâtre. Mais le théâtre, quand on parle de théâtre, c'est occidental. Le théâtre, théâtrant, c'est occidental. Donc ce théâtre-là est arrivé au Maroc. Donc pour le Maroc, on a soit on se base sur cette date-là, 1913, c'est marqué sur donc, le fronton de ce théâtre, parce que c'est le premier théâtre, le premier grand théâtre construit au Maroc, à Tanger, par les Espagnols. D'accord, 1913, et on dit qu'à partir de ce moment-là, l'activité théâtrale au Maroc a démarré. Voilà. Après, voilà, on a aussi le théâtre, donc c'est lié le théâtre municipal de Casablanca. Voilà, donc certains ici parmi vous doivent connaître très bien. Je fais allusion à cette Ahmed Agoumi qui est présent avec nous et qui a joué dans ce théâtre. Ce théâtre de Casablanca, donc malheureusement il a été détruit. Alors la deuxième date qu'on avance pour expliquer l'arrivée du théâtre au Maroc, ou le démarrage, le début du théâtre marocain, ce sont, comme en Algérie, hein, c'est la même chose je crois, c'est les visites des troupes orientales. Hein. Vous avez eu ici Georges Abiad hein, qui a marqué le théâtre algérien. Nous, au Maroc, nous, on était le dernier pays, hein, vraiment le dernier pays, après l'Algérie, auquel sont arrivées les troupes arabes. Et, comme je dis, les troupes arabes, essentiellement des troupes égyptiennes. Hein. Mais des fois, il y avait quelques membres de troupes, quelques comédiens tunisiens. Donc, elle, voilà, pourquoi Fatema Rojdi. Elle n'est pas la première qui est arrivée au Maroc. Hein. La première troupe est arrivée en 1923. Fatema Rojdi est arrivée en 1929. Mais c'était un événement qui était très très important. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Fatema Rojdi, grande comédienne égyptienne. Donc, elle a évolué au théâtre, mais également au cinéma. Elle va être prise plus par le cinéma vers la fin que par le théâtre. Mais elle a démarré en tant que comédienne, connue aussi pour être une chanteuse, hein, parce qu'à l'époque, vous savez, le théâtre arabe, il fallait absolument chanter hein, à ses débuts. Hein. Donc, elle est arrivée au Maroc en 1929 et c'était vraiment une grande découverte pour le public marocain. C'était vraiment la première fois que les Marocains voyaient une vedette féminine, une femme vedette, parce que c'est elle qui était en même temps la directrice de la troupe. La troupe portait son nom, on appelle Ferkat Fatema Rojdi. Donc voilà, et bon, malgré tout, les Marocains, bien sûr, par imitation, ils vont commencer à jouer des pièces qui ressemblaient à peu près aux pièces égyptiennes qui ont été jouées. Donc celle-là, c'est une photo qui est prise de la première grande pièce marocaine, donc, qui est, voilà, 1927... C'est Salah ad-Din Ayyoubi, Saladin. Donc vous savez, cette pièce, Salah ad-Din Ayyoubi, c'est une pièce qui a été reprise énormément pour la symbolique qu'elle avait. Le Maroc, à l'époque, était sous protectorat français. Et bien sûr, cette pièce, elle parlait des exploits de Salah ad-Din qui a libéré Jérusalem, Qods, etc. Donc, mais vous remarquerez, sur la photo, il n'y a pas de femme. Hein. Les rôles féminins sont joués par des hommes. Hein. Tous les rôles là en bas, vous voyez, ce n'est pas des femmes, c'est des hommes. Donc la femme n'avait pas accès à la scène, elle ne montait pas sur scène. Voilà, donc oui, ça je n'ai pas dit, parce que je parlais aussi des femmes, la présence des femmes dans la sphère publique. On a aussi cette tradition très connue au Maroc, qui est celle des chikhats, hein, ces animatrices de culture populaire, de la musique shabi chez nous, qui n'a pas le même sens que le shabi chez vous, je crois. Nous, ce shabi, c'est une musique campagnarde, vraiment, et qui est animée essentiellement par des femmes, hein, plus que par des hommes. Voilà, donc on va voir aussi, après, voilà, là on est dans les années 30, voilà, les années 1920, 30, 40, donc jusqu'aux années 50, on a, voilà, c'est un homme, hein, Bouchaïb Bedaoui, très connu au Maroc, qui représente une tendance de théâtre populaire, théâtre de boulevard, théâtre qui fait rire, mais il était chanteur en même temps, donc il se travestissait carrément en femme pour, voilà, jouer sur scène, donc voilà, Bouchaïb Bedaoui et le maréchal Qebbo, donc la femme, toujours pas sur scène. On a cette tradition au Maroc de travestissement, on peut en parler, qui existe toujours, encore à Jemaa el-Fna. On a des hommes qui se travestissent en femmes et qui dansent, etc. Donc, ça c'est le bouquin que vous voyez là, il est sorti il y a quelques années, c'est Le répertoire du théâtre marocain. Donc, voilà, un demi-siècle de création, c'est un livre qui répertorie toutes les troupes qui ont existé au Maroc depuis
les années 50 jusqu'à à peu près les années 2000. Et donc, et quand on cherche, voilà, les seules, moi j'ai fait une petite photocopie rapidement, les seules noms féminines, les seules directrices de troupe qui existent dans ce volumineux ouvrage, il est énorme cet ouvrage, il fait presque 1000 pages, et donc il y a sur tout l'ensemble, il n'y a que deux femmes. Donc c'est pour dire que, voilà, que la présence féminine quand même, elle est très limitée, surtout en poste de responsabilité. Donc vous voyez bien sûr les deux, on va revenir, je vais revenir là-dessus, c'est Touria Gebran, grande comédienne marocaine, ancienne ministre de la Culture, et Naïma Zitane, la nouvelle génération donc du théâtre marocain. Mais on va revenir là-dessus. Alors, voilà, donc le démarrage, si on veut, cette présence féminine ou la contribution des femmes au théâtre marocain va commencer pendant les années 40. Les années 40, grâce à la troupe de théâtre arabe de radiodiffusion marocaine. C'était une troupe, en fait, mais qui diffusait par les ondes de la radio au début. Et donc, vous voyez, là, on voit pour la première fois donc, la présence d'une femme qui, donc, comme si, voilà, ça commençait progressivement. Ils vont passer d'abord par les ondes, mais pas directement présentées au public. Mais petit à petit, les choses vont évoluer. Et on doit cette évolution, donc la personne qui est au milieu à côté de la jeune dame, c'est qui a la veste blanche, c'est Abdallah Chkron. Voilà. Abdallah Chkron qui est considéré comme l'un des pionniers du théâtre radiophonique et du théâtre tout court marocain. Voilà. Et c'est grâce à lui, il a écrit un livre très intéressant, La recherche du théâtre marocain. Il a beaucoup écrit sur sa vie, ses mémoires. Il vient de décéder cette année, hein. Il est mort il n'y a pas longtemps. Et donc lui, il raconte qu'il a insisté pour que les rôles donc, féminins soient joués par des femmes et non pas par des hommes qui imitent la voix des femmes. Et qui s'était engagé personnellement, il raconte, en allant vraiment chercher dans les familles, il allait dans les familles, voir les parents et se porter garant pour que leurs filles peuvent donc jouer et interpréter des personnages. Et bien sûr, la première dame qui va s'illustrer, c'est Amina Rachid. Donc, et Amina Rachid qui va jouer dans la troupe du théâtre radiophonique, théâtre marocain radiophonique, et voilà, on ne serait pas surpris d'apprendre que, bien sûr, elle va devenir la femme de Abdallah Chkron. Donc voilà, Fatima Rachid, voilà le couple donc mythique, et bien sûr, voilà, la deuxième personne, c'est Habiba Al-Madkouri, pareil, la même période, des années 50, donc qui va monter sur scène. Et en dehors, donc au-delà de l'interprétation juste radiophonique, elle va vraiment jouer parce que la troupe, elle va commencer à faire des tournées au Maroc. Et c'est vraiment donc attesté. C'est la première fois qu'on a des femmes qui montent sur scène. Je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est Habiba Al-Madkouri, c'est elle. Donc voilà. La première pièce, c'est les années 1950. Elle a joué dans, c'est elle qu'on voit dans l'Avare. Bien sûr, vous connaissez l'Avare de Molière. Et ils ont fait une tournée très remarquée qui a eu beaucoup de succès au Maroc. Voilà une autre, donc Habiba Al-Madkouri dans voilà, l'Avare. Bon, c'était joué une adaptation, mais vraiment joué dans les costumes d'époque, etc. Mais elle était jouée en arabe. Hein. Donc, elle était jouée en arabe. Voilà, donc, et on arrive aussi là, bon, ça fait un petit peu polémique au Maroc, parce qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui disent que, bon, l'une des premières femmes à monter sur scène, c'est elle, c'est Touraya Hassan, qui est toujours vivante. Donc, pareil, c'est des années 50, mais Touraya Hassan, bon, elle n'a pas eu cette reconnaissance qu'a Habiba Al-Madkouri, par exemple, parce qu'elle n'est pas jouée dans des troupes professionnelles. Touraya Hassan, elle a joué dans des troupes, elle vient du théâtre amateur, mais elle avait une présence vraiment très importante. Et elle raconte donc ce livre qui a été fait, c'est pas elle qui l'a écrit, il a été écrit sur elle. Donc il y a une interview avec elle où elle raconte quand même comment c'était dur de monter sur scène. Elle a même arrêté, elle a été exclue de l'école parce qu'elle jouait du théâtre. Vraiment, le directeur à un moment lui a posé un ultimatum, il lui a dit soit vous arrêtez de jouer au théâtre, soit vous sortez donc vous êtes exclu de l'enseignement public. Et elle va choisir la voie du théâtre, sacrifiant sa carrière, donc voilà, pour future carrière donc d'enseignante, etc. Alors, maintenant on va très vite, donc ça c'était les années 50, et puis quand on parle du théâtre au Maroc, voilà une expérience la plus marquante du théâtre au Maroc, on la doit à ce monsieur, c'est un monsieur qui est français, qui s'appelle André Voisin, et André Voisin, tous les pionniers du théâtre marocain, Tayeb Sdeqi, Tayeb Lalij, les grands noms du théâtre marocain ont été formés
à l'école d'André Voisin. Donc André Voisin qui arrive au Maroc pour former les jeunes marocains au théâtre. Voilà, sa mission c'était ça, mais la mission qui était cachée, c'est qu'il devait en fait, c'est une sorte de censure et surveiller ces jeunes troupes, parce que les troupes égyptiennes commençaient à arriver, les marocains commençaient à voir dans le théâtre un moyen de lutte et contre l'occupant, souvent les pièces de théâtre finissaient par des manifestations dans la rue, et donc la résidence française commence à dire il faut surveiller un petit peu tout ça. Donc comment on va les surveiller? On va leur proposer nous-mêmes des formations, et comme ça on va bien les encadrer et les contenir. Et ils vont faire appel à André Voisin. Malheureusement, ils n'ont pas tombé sur la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'André Voisin, c'était un progressiste. André Voisin, c'était l'élève de Charles Dullin, le copain d'Antonin Artaud, avec une idée très progressiste du théâtre. Et qu'est-ce qu'il va faire, André Voisin? Ben, il va faire, et c'est lui qui va être derrière, la création du théâtre marocain d'expression arabe. C'est-à-dire que normalement, au début, il devait faire du théâtre en français, mais lui, quand il va découvrir les potentialités des Marocains, des jeunes Marocains qui n'ont jamais fait de théâtre, parce qu'il faut savoir, il n'y avait pas de formation professionnelle à l'époque, c'est la première formation professionnelle, et donc il va les aider, il va proposer des formations, il va avoir beaucoup de problèmes à cause de ça, avec son administration, avec vraiment l'administration française, mais donc il va lancer cette expérience, il va créer une école, ils appellent école de théâtre, qui était itinérante. Il va créer surtout des stages de formation très connus au Maroc, une fois, pratiquement deux fois par an. Et c'est là où on va voir la deuxième génération des comédiennes marocaines. Bien sûr, il va intégrer des comédiennes marocaines. Donc, vous voyez les fourberies de Jouha, donc Hiel Jouha, qui est une adaptation des fourberies de Scapin, et qui va avoir un grand succès. C'est la première pièce théâtrale qui va être jouée en France pendant 1956. C'est pas 76, c'est 56, en 1956, avec une autre pièce qui est à Shtaba. Donc vous voyez, Shtaba, donc les balayeurs, on voit Fatima Regragui, donc qui était le nom, l'actrice fétiche de André Voisin. Voilà, donc on a la liste, on peut avoir, il y a des documents, de la documentation, on va voir le nom de quelques, voilà. Ça c'est la pièce, donc Shtaba, on voit bien Fatima Regragui, Camille Jamel, etc. Voilà, Fatima Regragui, voilà, donc... elle est encore en vie, elle est encore en vie. Et puis, donc, la troupe El Marmoura, c'est la troupe mythique, après le départ d'André Voisin, la troupe, la grande presque, qui devait être la troupe officielle au Maroc, ça va être la troupe officielle, mais n'a jamais eu ce titre de troupe officielle, parce que le pouvoir marocain était toujours très sceptique, ou craignait un petit peu tout ce qui relevait du théâtre, un petit peu, donc il ne voulait pas lui donner un statut officiel. Et donc la troupe El Marmoura va continuer jusqu'à les années 70, avec beaucoup de noms là, vous voyez, il y a beaucoup de comédiennes, en plus des anciennes, il y a des nouvelles qui sont arrivées avant sa dissolution. Donc la troupe va être, voilà, donc Safia Ziani, une autre comédienne, donc on va voir par là, voilà, dans la troupe El Marmoura. Et puis là on arrive à la génération d'après El Marmoura, elle était petite, donc on a la Naïma El Mcharqi, c'est une grande dame du théâtre marocain, très respectée, très connue, donc voilà, l'un des premiers visages connus du théâtre marocain. Nous avons aussi, bien sûr, Touria Jabran, voilà, que j'ai cité au début. Touria Jabran, c'est une exception dans le paysage théâtral marocain, parce que, comme je disais, c'est la première femme qui est devenue ministre de la culture au Maroc. Et c'est une comédienne, créatrice de Masrah El Yaoum, le théâtre d'aujourd'hui. Et c'est une expérience très importante au Maroc, avec son mari Abdelwahed Ouzri. Ils vont jouer beaucoup d'adaptations, avec une tendance vers le théâtre expérimental. On va sortir du boulevard et du théâtre de l'adaptation. Et on va faire, quand on fait des adaptations, ça va être Genet, ça va être, voilà, ça va être Brecht, etc., etc. Voilà. Donc Touria Jabran, voilà quelques noms, donc on a quelques images, voilà, du début. Voilà. Elle a joué aussi dans des films, pas beaucoup, mais dans des films, je crois qu'elle a joué dans le film El Rissal de l'Aqad. Voilà, donc elle a joué dans une des pièces Bouraba, l'adaptation de Maître Pontilla et son valet Mati, l'une des grands, considérée aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du théâtre marocain. Elle a joué le rôle d'un homme, elle a joué Bouraba, donc Maître Pontilla, et c'était vraiment un succès. Elle a eu beaucoup de prix pour... voilà, l'Aït Ali, un peu pour revisiter un petit peu, on a parlé de Bouchaïb al-Bidaoui tout à l'heure, l'homme qui était travesti. Elle a joué en fait son histoire un petit peu. Voilà. Donc on avance, on a aussi d'autres comédiens qui vont émerger. Voilà, Sophia Hadi aussi, une grande comédienne et actrice, mais dans le registre du théâtre francophone, en français.
Dernièrement, moi j'ai vu son dernier spectacle qui est autour d'Albert Camus. Il était magnifique, L'étranger. Il était magnifique. C'est une dame qui, qui est là depuis une vingtaine d'années, qui fait du très bon travail avec une qualité d'excellence. J'ai parlé pour le moment, vous avez vu, j'ai parlé des comédiennes, j'ai parlé des femmes qui sont sur scène, mais on oublie aussi des femmes qui sont derrière la scène. Donc là, nous avons notre maître au théâtre marocain, considéré comme le plus grand homme du théâtre marocain, qui est Tayeb Sderi, donc qui est décédé il y a 2 ans. Et puis on a des femmes aussi qui vont être derrière, qui vont être là dans les parages, qui vont jouer un rôle très important. Donc il y en a qui trouvent le rôle est positif, certains ont un rôle négatif, mais Amina, donc, qui est très présente dans la carrière de Tayeb Sderi, elle va jouer un rôle très important en coulisses. Elle va jouer avec lui dans certaines pièces, mais quand même, il y avait un élément important. Vous voyez le couple donc jeune jusqu'à la fin. Là, c'est la fin de Tayeb Sderi, juste quelques mois avant sa mort. Le tournant actuel dans le théâtre moderne marocain, on le doit à ce qu'on appelle l'ISADAC. L'ISADAC, c'est l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, qui a été créé en 1986. Donc, vous avez remarqué que pour le moment, j'ai parlé essentiellement de comédiennes, d'actrices. On n'a pas encore de metteurs en scène, on n'a pas de scénographes, on n'a pas. Il faut attendre la création de cet institut pour que les filles au Maroc, les étudiantes et beaucoup d'étudiants vont être formés au métier du théâtre. Et c'est à partir de là, et on va avoir donc l'émergence d'une nouvelle génération qui va bouleverser, mais littéralement bouleverser la scène théâtrale marocaine. L'ISADAC, c'est une formation de 3 ans, une formation qui est sérieuse, avec des enseignants qui viennent de l'étranger, du Maroc, etc. Et donc, on va voir parmi les noms connus de la première génération, donc les premiers lauréats, on appelle ça de l'ISADAC, Latifa Ahrar. Latifa Ahrar, qui a un petit peu créé la polémique à cause de cette pièce de théâtre qui s'intitule Cafarnaum. Donc, et on la voit un petit peu dénudée et ça crée de gros problèmes au Maroc. Mais elle a donc elle a tenu tête et donc on commence à voir des filles qui osent d'aller au-delà de ce qui était permis un petit peu. On commence à bousculer un petit peu les lignes. C'est une critique que j'ai prise sur dans un journal marocain. Donc, quand elle se débarrasse, ça on peut le voir par la suite. Donc, il était très. Après, on a Naïma Zetane aussi. Naïma Zetane, qui est lauréate de l'ISADAC. Pareil, Naïma Zetane va créer la polémique à cause de cette pièce qui s'intitule Dieli. Et cette pièce, c'est inspirée un petit peu des monologues du vagin. Et elle parle en fait des femmes et leurs problèmes intimes des femmes, en fait. Et donc, elle va créer une grosse polémique au Maroc, vraiment. Elle va être insultée par tout le monde, on va même essayer de l'interdire, etc. Donc voilà, c'est une tendance, et Naïma Zetane, elle continue un petit peu à être impertinente un petit peu, et à bousculer ce qui était courant. Regardez ce qu'il dit Abdelkrim Barchid. Et pourtant, Abdelkrim Barchid, c'est un nom qui est connu dans le théâtre marocain, c'est le grand... chantre de ce qu'il appelle l'Ihtifalia, et on peut en parler. Regardez ce qu'il dit à propos de sa pièce. Un sujet animalier et sauvage, primitif et étrange, un sujet dans lequel il n'y a ni science, ni art, ni pensée, ni littérature. Et si certaines femmes ont un problème avec leur vagin, cela reste leur problème privé et non pas celui de l'ensemble de la société. Ainsi, cela n'a aucun sens que l'institution théâtrale, qui est une institution à but pédagogique, éducatif et cathartique, souffre des petits calculs suspects de certains complexes maladifs. Vous voyez quand même la virulence avec laquelle on a traité son théâtre. Après, il y en a heureusement d'autres universitaires qui ont défendu un petit peu Naïma Zetane. Et donc, surtout qu'on va découvrir par la suite que Abdelkrim Barchid, il n'a même pas regardé la pièce, en fait. Il a jugé sur pièce comme ça, sans même assister à la pièce. L'ISADAC, vous voyez, l'ISADAC, on va avoir les lauréats de l'ISADAC, les filles de l'ISADAC, on va avoir la même mise sur le théâtre marocain. Là, c'est une pièce... c'est une pièce qui est une adaptation, elle s'appelle Les filles de l'Ellemnena, qui est une adaptation de La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca. C'est une pièce qui a eu beaucoup de succès. Pourquoi je la cite? Parce que c'est un phénomène. Vraiment, au Maroc, c'est un phénomène. Elle est faite par des femmes entièrement. La metteuse en scène est une femme, l'équipe est féminine et la troupe s'appelle Tacón. Et Tacón en espagnol, ça veut dire le talon aiguille.
Et donc, elle va eu un tel succès qu'elle va être, je crois que c'est une première au Maroc, elle va être transformée ou, en série télévisée, hein, en 2 saisons, qui va être diffusée pendant le Ramadan. Et donc, c'est un grand, grand succès féminin, hein, entièrement féminin au Maroc. Voilà, ça, c'est la pièce donc, qui raconte, vous connaissez l'histoire. Et puis, on arrive à la nouvelle génération. Donc voilà, on a voilà, Hajar. Donc là, je vais vous montrer une pièce qui a eu dernièrement le Grand Prix du théâtre arabe, hein, cette année. Donc, et où Hajar a joué le rôle principal donc, dans cette pièce. Donc on a une reconnaissance qui va maintenant au-delà du Maroc. Voilà, la pièce s'appelle Solo. Et on arrive à la fin donc, à Asmahouri, qui est considérée aujourd'hui comme un phénomène dans le théâtre marocain. Asmahouri, c'est une fille qui est lauréate de l'ISADAC et qui est partie pendant 13 ans en Suède, vraiment 13 ans. Quand elle a eu son diplôme, elle a choisi de partir en Suède alors qu'elle ne parlait même pas la langue. Elle est partie comme ça et elle va lutter, elle va réussir à intégrer la plus grande troupe théâtrale suédoise. Elle va rester 10 ans avec eux et un jour, elle va décider de revenir au Maroc, de rentrer au Maroc. Et en rentrant au Maroc, elle a vraiment bousculé la scène théâtrale marocaine en proposant un théâtre inhabituel, un théâtre professionnel avec une imagination qui débordante, avec une originalité aussi. Et ça ne loupait pas. Donc là, je vous montre juste son dernier spectacle, Kharif. D'ailleurs, Kharif, il a eu le Grand Prix du théâtre arabe chez vous ici. En Algérie en 2017, parce qu'en Algérie en 2017, il y a eu la 10e ou 9e, je crois, édition, 9e édition, oui, du Festival du théâtre arabe, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand événement du théâtre arabe dans le monde arabe. Et donc, il a eu le prix Kharif, joué voilà, vraiment avec une touche très féminine, parce que la pièce, comme vous voyez, Automne, elle parle du cancer chez les femmes. Et l'histoire, elle est particulière parce que Asma, elle a sa sœur qui est poétesse, et qui est morte d'un cancer. Et le jour où elle est allée déménager, donc prendre ses affaires, elle a découvert que sa sœur écrivait ses mémoires, en fait, avant de mourir. Et elle va découvrir ça, et à partir de ces textes, elle va monter ce spectacle, en fait. Et un spectacle qui est très émouvant, joué par une danseuse et une comédienne, et qui a eu beaucoup de prix au Maroc et en dehors du Maroc. Voilà, donc quand elle est revenue, elle a joué Psychose, donc voilà. Et tout, pratiquement à chaque fois que Asmahouri fait une pièce, elle a le Grand Prix. Et Dmou' bel Khoul, l'arme de Khoul, c'était vraiment un phénomène au Maroc. Pendant le Festival National, elle a eu, je crois, 7 prix, donc voilà. Après, un clin d'œil aussi, je vous fais un clin d'œil aussi, quand on parle de la présence féminine dans le théâtre arabe, il y a aussi la contribution des universitaires aussi, et on a aussi des dames, hein, universitaires, enseignantes, qui jouent un rôle important, dont donc, Zohra Makesh, voilà, Zohra Makesh qui est universitaire à Agadir, d'ailleurs, qui est berbère, et qui travaille en français, en arabe et en amazigh. Elle écrit dans les 3 langues, elle est enseignante, c'est elle aujourd'hui qui est responsable du Festival du Théâtre Universitaire d'Agadir et qui a écrit donc pas mal de choses. Elle a mis en scène et fait de la dramaturgie et de la traduction. Une contribution très remarquée, très importante au Maroc. On peut revenir, si vous voulez, sur cette expérience. Donc, alors, maintenant, pour aller vite, la remarque aussi que j'ai faite, l'une des remarques, quand on fait le tour un petit peu, vous allez remarquer que toutes les grands noms du théâtre marocain, souvent, j'ai l'impression, après je peux me tromper, pour exister, il faut qu'il soit accompagné d'un homme. Et souvent, la plupart d'elles, elles sont mariées avec des hommes de théâtre. Donc vous voyez, on a voilà, le théâtre amateur, Touria Jbran, elle est mariée à Abdelwahed Ouzri, qui est metteur en scène. Voilà, donc hop, donc ancien. Sa'adallah Aziz et Khadija Assad, un couple mythique aussi du théâtre marocain populaire, donc c'est un couple qui sur scène et dans la vie. Voilà, la fameuse comédienne dont je vous ai parlé, Sophia Hadi, c'est la femme du metteur en scène Nabil Hlo. Et donc, sauf, je termine par cette image que je trouve assez révélatrice. C'est en fait, dernièrement, c'est une association qui vient juste d'être créée au Maroc, il y a 15 jours, et c'est l'association des scénographes marocains. Et vous remarquerez que cette association, il y a pas mal de filles, donc même une majorité de 4 filles sur 2 garçons, et c'est un symbole en même temps, c'est un symbole à double titre, c'est un symbole parce que la femme
donc, marocaine est très présente et dans des instances de décision, c'est-à-dire c'est l'association des scénographes, et la femme aussi marocaine dans le paysage théâtral, elle n'est pas seulement comédienne. Aujourd'hui au Maroc, vous avez vu Esma Houri Zeitane, elle est scénographe, elle est metteur en scène, elle est décoratrice, elle est chef de troupe, donc elle assume plusieurs casquettes. Et même si on le déplore un petit peu dans les instances comme la Fédération du théâtre marocain, bon, les femmes ne sont pas présentes dans les instances de direction, hein, mais quand même, petit à petit, ils commencent à avoir un rôle important, et voilà, et ça continue. Et je crois que voilà, je vais m'arrêter là. Après, si vous avez des questions et des échanges, on peut enchaîner là-dessus. Et je vous remercie. Merci, Omar.